Vous avez passé un bon week-end? Vous avez bien dormi? Très bien. Alors là, on va commencer avec la présence. Le groupe A. Abou Ranaï Mohamed, Anadif Suleiman, Bardia Badr, Ben Ishra Zan, Ben Jacques Aldoua, Mouchfar Monsif, Chababi Idias, Shakir Ria, Mouattasim Billa Adnan, Rachidi Wissal, Idalin Mohamed Ali, Madian Nouman, Moudir Iyad, Saber Ina et Bidioui Jannat. Le groupe B, Abou Lan Yasmin, Ahwawi Imran, Diallo Rima, Al-Ghazi Mohamed Adam, Madini Adam, Hadidi Islam, Kamal Mahmoud, Larda Fahd, Maftouh Mahdi, Moufabil Souriana, Naini Jihad, Mouljmel Ziyad, Sophia Kout, Kharbash Basseta et Moustarit Badr. Alors là, on va commencer avec les chants et les cantines. Vas-y, maîtresse. Tu me plais. Ajoute un petit peu, s'il te plaît. Gouttelette de pluie. C'est bon. Chapeau se mouille, goutte gouttelette de pluie, mes souliers aussi. Je marche sur la route, je connais le chemin, je passe à travers les boutons en chantant ce gai refrain. Goutte gouttelette de pluie, mon chapeau se mouille, goutte gouttelette de pluie, mes souliers aussi. Je marche dans la boue, j'en ai jusqu'au menton. J'en ai le sur les joues et pourtant je fais attention. Goutte gouttelette de pluie, mon chapeau se mouille. Goutte gouttelette de pluie, mes souliers aussi. Mais derrière les nuages, le soleil s'est levé. Il sèche le village et mon chapeau et mes souliers. Goutte gouttelette de pluie, adieu les nuages. Bravo les enfants! Maintenant on va faire le rituel. Alors les enfants, dans la semaine il y a combien de jours? Hein? Il y a combien de jours? Il y a 7 jours. Très bien les enfants, il y a 7 jours. On a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Très bien. Les enfants, dans l'année, il y a combien de mois? Hein? Il y a 12 mois. Très bien. Bravo les enfants. Il y a 12 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Très bien, maintenant on passe au calendrier. Hier c'était quel jour les enfants? Hier c'était quel jour? C'était jeudi? Non. Hier on n'avait pas école. C'était dimanche. Très bien les enfants. Hier c'était dimanche. Aujourd'hui, on est... Après dimanche, il y a quoi? Après dimanche, il y a mercredi? Non. Il y a jeudi? Non. Après dimanche, il y a le premier jour de la semaine, c'est... Lundi. Bravo les enfants, c'est lundi. Et demain, ce sera... Quel jour les enfants? Demain, après lundi, il y a... Mardi, bravo les enfants, demain ce sera mardi. Alors hier c'était dimanche, aujourd'hui nous sommes lundi et demain ce sera mardi. Très bien les enfants, alors on a dit aujourd'hui on est lundi. Alors lundi les enfants, c'est lequel de ces jours? Lundi ça commence par quelle lettre? Regardez ici. Ça commence par quelle lettre lundi? Est-ce que ça commence par la lettre J? Non. Est-ce que ça commence par la lettre M? Non. Ça commence par quelle lettre le lundi? Par la lettre L. 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 U. U.
premier jour de la semaine. On va l'accrocher ici, bravo. Lundi 16. 16. Le 16, ça s'écrit comment? 16, c'est 1. Le chiffre 1 est à côté le chiffre 6. 1 est à côté le chiffre 6. En premier 1 et après 6. Regardez. 1 et 6 à côté. D'accord? Et le mois, c'est quel mois? On est en quel mois? On est en mois d'avril? Non. Non. Est-ce qu'on est en mois de mars? Oui, oui, c'est le mois de mars. Alors, c'est bientôt le printemps, on est en mois de mars. Mars, ça commence par la lettre M. Je vais l'accrocher aussi, regardez. On est en mois de mars. Et l'année, c'est 2020. Il y a 2-0-2-0. Alors, on va écrire la date lundi. Ça s'écrit comment? On a dit, ça commence par la lettre L, U, N, D, I. Très bien. Et le jour, c'est 16. 1 et 6 à côté. Le mois, c'est le mois de mars. La lettre M, ça commence par la lettre M. Il y a la lettre A, la lettre R et la lettre S à la fin. Très bien. Et l'année, c'est 2020. C'est 2-0-2-0. Très bien les enfants. Alors, on va passer à la météo. Regardez les enfants, comment il fait aujourd'hui? Est-ce qu'il fait beau? Non. Il ne fait pas beau. Pourquoi vous dites qu'il ne fait pas beau? Comment vous savez qu'il ne fait pas beau? Parce que il n'y a pas le soleil. Le ciel n'est pas bleu. Il y a les nuages. Le ciel est gris. Il y a un petit peu de vent. C'est ça les enfants? Très bien. Alors, dans l'année, tu zoomes s'il te plaît, dans l'année, il y a 4 saisons. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et nous sommes en quelle saison les enfants? Nous sommes en automne? Non. L'automne est déjà passé, non? Oui. Est-ce qu'on est en été? Est-ce qu'on met des t-shirts? On va à la plage? Est-ce qu'on est en vacances? Il fait encore un petit peu froid. D'accord? Alors, on est en hiver. Très bien. On est en hiver. Qu'est-ce qu'on trouve en hiver, les enfants? La neige tombe. Très bien. Il y a la neige qui tombe. Il y a la pluie. Il y a les arbres dénudés. Il y a les bûches avec lesquelles on allume le feu dans le cheminée. Il y a les enfants qui jouent avec des boules de neige. Regardez comment ils sont vêtus, les enfants, avec des vêtements chauds parce que c'est l'hiver. Il y a des enfants qui jouent à la luge, il y a des bonhommes de neige. Très bien, bravo les enfants. Là, on va passer aux chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors les enfants, qui c'est qui peut me dire c'est quel chiffre, c'est quel nombre ça? C'est le nombre 12? Non. C'est le nombre 4? Non. C'est quel nombre ça? C'est 14. On commence la lecture par là. 14. Très bien les enfants. Ça c'est 16. Regardez, c'est 16. 1 et 6 à côté, c'est 16. D'accord?
Ici, on commence la lecture par là. 17, 18, 19 et 20. Très bien les enfants. Alors là, on a les formes. C'est quelle forme ça les enfants? C'est le triangle? Le carré. C'est le carré, très bien, bravo. C'est le cercle? C'est le triangle. Très bien. C'est le rectangle. Ça c'est le... C'est l'ovale et le losange. Très bien les enfants. Là, on passe aux lettres. La lettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Et les règles de vie de la classe. J'accroche mon manteau, je ramasse les ordures, je joue calmement, je range mes jouets, je me bagarre pas, je lève mon doigt dans ma place, je lève mon doigt sans parler, je fais le rang et je m'amuse. Alors les enfants, pour le rituel on a fini, j'espère que vous allez bien et à bientôt. Mais je vais vous dire juste une chose, s'il vous plaît, ne sortez pas et lavez-vous très bien les mains. À chaque fois, lavez-vous les mains, s'il vous plaît les enfants, je vous adore, à très bientôt, au revoir.